pressure. Incorporating Aaliyah into this record at all. Obviously, like, I'm compared all the time. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va revenir sur l'une des vidéos. Elle m'a été tellement demandée dans mes lives qu'à un moment on a pensé que c'était du harcèlement. Mais l'heure est venue, on va enfin revenir sur la carrière de Normani, l'ex-chanteuse du groupe Fifth Harmony. Qui pour beaucoup est la nouvelle Beyoncé. La Janet Jackson 2.0 ou encore la Aaliyah du futur. D'ailleurs, pour le prouver, elle dit qu'elle était tellement comparée à Aaliyah qu'elle a été obligée de lui rendre hommage sur son nouveau single très sensuel où elle change aussi totalement d'image pour dévoiler son côté sauvage en compagnie de Cardi B et ça donne... La hype est présente. Les célébrités sont dithyrambiques. Elles adorent toute Normani, sa manière de danser, sa manière de se déhancher sur scène. Bon, malheureusement, parce que Dieu ne donne apparemment pas tout. Enfin, il a donné quoi? Il a donné le beau physique, il a donné les capacités de danse. Et bon, peut-être au moment de la création, il fallait donner le chant. Il était fatigué, c'était la nuit, il s'est endormi. Donc de fait, Normani en capacité de chant, singing vocals. Ça patine et ça a d'ailleurs créé débat à plusieurs reprises. Réalisé sans aucun trucage, mais ça n'empêche pas la jeune Normani de fasciner une grosse partie de l'audience. Est-ce simplement parce qu'elle est noire qu'elle n'arrive pas à percer comme ses consoeurs, notamment Camila Cabello? Est-ce parce qu'elle manque véritablement de personnalité et que son équipe veut la saboter comme ses fans pensent depuis Motivation? Et d'ailleurs, parlant de Motivation, pourquoi a-t-elle déclaré cette semaine qu'elle n'aime pas vraiment cette chanson, qu'elle n'aime pas vraiment cet air-là? Quelle était la stratégie derrière Normani? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce rapprochement avec Beyoncé, avec Janet Jackson, aujourd'hui avec Aaliyah? Et d'ailleurs, la famille d'Aaliyah n'est pas totalement d'accord avec ce qui se fait sur le fameux sample de One in a Million. Normani est-elle partie pour les Grammy Awards ou alors la prison? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais essayer de décortiquer ce début de carrière en revenant bien sûr sur les potentiels rivales, à savoir Miss Je Chante en me touchant, en me... Vous savez tout ce que je parle? Chloé Bailey. Mais aussi dans cette histoire, vu que j'en ai parlé beaucoup dans mes lives, j'ai souvent redit la même chose. Et dans toutes les analyses que j'ai vues sur Normani, j'ai jamais vu le même rapprochement que le mien. Je ne sais pas si vous allez le partager, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Normani est-elle une future Beyoncé ou alors une future flop singer? C'est le début. Alors, Fifth Harmony, que j'appelle en général No Harmony, parce qu'en réalité, leur nom est l'opposé de ce qu'elles sont. Elles n'ont absolument aucune harmonie, elles ne s'aiment pas, elles ne s'entendent pas. Elles n'ont jamais raté une occasion de nous le montrer, surtout celle sur qui tout était misé, à savoir Camila Cabello. Mais en réalité, en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette formation, c'est que c'est une formation un peu hybride. Je les appelle souvent la formation bêta. Elles sont créées et elles immergent de toutes pièces devant le public américain à X Factor. Et en réalité, ce qui est très intéressant dans leur histoire, c'est que leur créateur y croit moyennement. C'est-à-dire que Simon Cowell, qui fait la formation, a déjà l'habitude des formations et des groupes depuis plusieurs années. Il en a accumulé des dizaines en Angleterre. Et là, il faut faire le girls band américain. On fait une sélection visuelle et cette partie est très importante, à savoir qu'on vise plus ou moins chaque fois une démographie. C'est pour ça qu'on a la latina, la noire, la blanche, la métisse. Elles sont plus ou moins calquées démographiquement sur ce qu'on peut attendre d'une audience américaine. Mais à l'époque, les groupes ne fonctionnent plus. Encore moins les groupes féminins. Et sur le laps de temps où elles arrivent, les groupes qui ont plus ou moins fonctionné, ce sont nos fameuses Pussycat Dolls ou encore les Danny Chicken, qui n'ont vraiment jamais été très très mainstream en fait. Là, ils sont dans un groupe pop qu'ils espèrent familial. Mais le truc qui va se poser,
c'est que les familles ne sont pas passionnées à cette période-là par les groupes. Surtout les groupes dans l'ancienne formule. Et ça, Simon Cowell aux États-Unis s'en rend très vite compte. Les Anglais ont une histoire totalement inverse avec les groupes. Les Américains n'ont pas la même histoire. Et donc, quand on leur ramène ce groupe-là, même si sur le papier, ça fonctionne bien au niveau de la démographie, en fait, musicalement, c'est très dur de savoir vers quoi on va les marketer. C'est pour ça que Simon Cowell va laisser cette direction ou alors cette machine-là à quelqu'un que vous connaissez déjà très bien et qui est rarement cité en réalité dans l'histoire de Fifth Harmony, à savoir notre ami, tonton, cousin. Je vous laisse le dire, Eddie Reed, parce que c'est Eddie Reed qui va être obligé de penser l'évolution de X-Factor. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à certains moments, comme c'était Eddie Reed et comme Eddie Reed avait déjà créé les premières formations d'il y a quelques années, comme il avait été au cœur de certaines choses, on les a vu refaire certains hommages qu'on avait bien connus. Même si Eddie Reed est rarement cité, il est crucial pour comprendre en fait ce dans quoi les Fifth Harmony étaient embarqués et comment lui-même va pouvoir y réagir parce que ça ne va pas du tout être un défi facile et évident pour lui. Toujours est-il quand même réussir à avoir deux gros tubes, notamment celui-ci. Et celui-ci. Mais la chose que j'ai toujours trouvée hyper intéressante avec cette formation, mais je ferai une vidéo peut-être sur leur carrière si vous en voulez une, c'est qu'en fait, non seulement bon, elles aiment les clashs et voilà, ça nous fait quand même rire. The artist that inspired me to songwrite was Taylor Swift. I listened to so many of her lyrics and they connected with me so much. And I... De l'autre côté, c'est qu'elles ont des ventes et des remises de prix qui sont en réalité largement supérieures à leur impact. Alors aujourd'hui, elles font le million sur leurs deux premiers albums aux États-Unis. Mais en fin d'exploitation, elles étaient à 500 000, c'est-à-dire que c'était des disques d'or. Et elles ont ensuite été aidées par le streaming. Alors il y a toute une com pour expliquer que c'est le groupe féminin qui a le plus vendu des années 2010 et qui essaie dans un sens de les comparer à des groupes qui les ont précédés. Alors qu'en réalité, quand on étudie vraiment leurs chiffres, même si elles ont eu certains succès, ce n'est pas un groupe qui a eu énormément de succès pour un groupe pop de cette ampleur là en fait. Ce n'est pas du tout une énorme réussite marketing pour un groupe qui vise ce genre de population et dans ce genre de format là. Parce qu'encore une fois, ça se joue comme l'élection électorale en fait. C'est-à-dire que Norman est là pour que les Noirs achètent, la Latina est là pour que les Latinos achètent. Et d'ailleurs, la Latina va tirer son épingle du jeu parce que pour Simon Cowell, ça va être la plus charismatique. En plus, à ce moment-là, on commence à voir le développement du streaming sur le marché latino. Donc, il mise sur elle. Les autres, pour lui, ce sont les à côté. Elle ne compte pas. Et d'ailleurs, il va faire quelque chose qui m'a toujours fait beaucoup rire parce que c'est très rare. Ça se fait, mais c'est rare. À savoir que cette fille va se séparer de ses consœurs. Donc, de fait, elle va dire à tout le monde, je me sépare des autres parce que je veux faire une carrière solo. En réalité, c'est qu'elle s'entend plus avec elle et qu'elle le montre dans les interviews. J'ai rarement vu, hormis dans ce groupe, des interviews et j'en ai vu beaucoup, en fait. C'est-à-dire que les N-Vogue se disputent comme jamais. Les Escape sont réunis aujourd'hui. Candy disait les pires horreurs sur les deux sœurs Scott. Les SWV, si vous avez regardé la télé-réalité sur les SWV, vous savez que Coco ne peut pas saquer Taj et Lily et elle leur fait savoir chaque fois qu'elle peut. Mais des moments aussi embarrassants publics entre femmes que celles de Fifth Harmony sont assez rares. À savoir que Camille Allah leur faisait vraiment comprendre que meuf, moi je pars. Et ce qui est intéressant dans son départ, c'est qu'elle va être soutenue par Simon Cowell. Et là, vous vous demandez certainement, mais pourquoi Stevie a tiré notre attention là-dessus? Tout simplement parce que c'est hyper rare. Si votre produit principal, ce sont les Fifth Harmony, vous n'allez jamais signer la personne qui casse votre produit principal en fait. Quand un membre important, le membre sur lequel vous misez le plus, quitte une formation, vous vous dites, mais attends, je perds mon argent, je perds mon produit principal. Là, non, lui, il va se dire, elle part, je la signe et on va la développer. Et ça montrait donc bien que pour lui, Fifth Harmony, c'était un truc de tremplin. Et d'ailleurs, la personne, encore une fois, qui a poussé ce groupe, c'était Eddie Reed. Mais le départ de Camila Cabello va donc permettre aussi à Normani de pouvoir s'installer parce qu'elles vont faire un troisième album où il n'y a plus la fameuse leader, elle n'étant pas celle qui chante le mieux. Parce qu'elle n'était pas vraiment mise en avant dans les albums. Ce n'était pas pour ça qu'elle était là. Elle était là parce qu'elle dansait bien et qu'il fallait une noire dans le groupe. Elle a pu se mettre en valeur dans une des dernières airs du groupe. En plus, elle avait tout un background et une histoire à raconter. Sa mère a été atteinte d'un cancer. Elle a été obligée de déménager lors de l'ouragan Katrina. Et il va commencer à y avoir une effervescence autour d'elle à partir de quelques prestations. Notamment celle-ci où elle avait particulièrement bien dansé. «
quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est-à-dire que Camila Cabello part et Normani devient quelque chose. Ce que Sony n'avait pas du tout prévu. Eux, ils ne misaient pas du tout sur elle. Et là, elle commence à avoir une vraie emphase. On loue ses capacités de performeuse. Et à partir de là, en la regardant, beaucoup commencent à avoir ce mimétisme avec Beyoncé. Ils commencent à dire, c'est la nouvelle Beyoncé. Alors qu'en réalité, sur scène, elle dansait bien, mais il n'y avait pas ce lien avec Beyoncé. Ils commencent à se dire ça. Elle, dans les interviews, l'assume. Elle commence aussi à dire, j'admire Beyoncé. Elle cite aussi Nicki Minaj comme étant l'une de ses plus grandes inspirations. Et petit à petit, elle assume plusieurs vidéos de danse sur sa chaîne YouTube. Encore un amour véritable pour le R&B. Elle reprend notamment le titre de Solange, Don't Touch My Hair. Don't touch my hair. Quand son équipe va voir cette euphorie autour de ses capacités de danseuse, ils vont se dire, il faut absolument qu'on imprime ça. Là, elle n'est pas signée et le groupe est en train de se disloquer. Ils se disent, pourquoi ne pas faire Dancing with the Stars pour montrer à quel point elle s'est bougée? C'est un move un peu bizarre parce que pour lancer une carrière, c'est chelou. Mais il a été pensé dans l'inverse. Ils se sont dit, chez Fifth Harmony, elle n'était pas hyper mise en avant et elle ne chantait pas énormément. C'est une bonne danseuse. Le grand public américain ne la connaît pas parce qu'en plus, le groupe n'est pas un groupe qui a eu un immense succès dans le pays. C'est un bon moyen pour elle d'avoir plus de visibilité, plus d'exposition. Et c'est ce qui va se faire même si elle ne va pas gagner. À partir de là, son équipe va comprendre qu'il y a un mimétisme à faire avec Beyoncé. C'est-à-dire que comme ils vont voir qu'il y a cette euphorie, ils vont y aller, ils vont se dire on va suivre les pas. Et la manière de danser de Normani va petit à petit plus se rapprocher de Beyoncé. Alors qu'au début, c'était pas exactement ce mimétisme-là. C'est-à-dire qu'elle va commencer même à avoir le même genre de pose dans les magazines pour pouvoir créer quelque chose et surfer sur la vague. Et de l'autre côté, elle commence aussi à assumer une influence R&B, très 90s. Aaliyah, Brandy, Destiny's Child, Janet Jackson, pour elle, ce sont des mentors, ce sont des précurseuses. Elle assume cette influence-là. Plusieurs labels commence aussi à la courtiser en se disant pourquoi pas. Et finalement elle va signer, et cette signature m'avait beaucoup surpris à l'époque parce que ce que je vous le dis là, je l'ai dit au moins 10 000 fois en live, elle va signer chez RCA. RCA qui venait de licencier quasiment toutes les chanteuses R&B des années 90, à savoir Fantasia, Monica, Brandy. Elles avaient toutes été licenciées quasiment à la même période de RCA, mais qui était aussi en train de rendre son contrat à Tinashe. Donc ça faisait un peu bizarre de voir que le label qui était en train d'abandonner sur ce format là reprend une artiste qui dit plus ou moins prôner quelque chose qui se rapproche du même format. Mais ils l'ont signé et en plus il y avait une note d'espoir parce qu'elle signe chez Kid Cudi qui était en train d'avoir plein de nouveaux artistes R&B. Et d'ailleurs très rapidement il la place parce que Khalid et chez RCA ont fait d'abord en sorte que Normani fasse des apparitions dans ses clips. Et très rapidement ils lui font un duo qui s'appelle donc Love Lies et qui va être son premier gros succès. Pour beaucoup, c'est une prise d'assaut du game. On ne croyait pas en elle. Là, voilà qu'il y a un immense tube. C'est la vengeance de Kelly Rowland sur Beyoncé. Parce qu'en réalité, oui, Camila Cabello, c'était la Beyoncé du groupe. Donc, on se dit que vraiment là, l'underdog va réussir à rattraper et à dégager la première. Il y a cette tension-là. Elle a signé chez un label qui semble croire en elle. Elle fait plusieurs campagnes de publicité. Mais surtout derrière, on essaie de trouver le son idéal pour l'introduire. Elle va tester un EP avec Calvin Harris qui va passer un peu inaperçu et finalement ils vont se dire autant ne rien risquer, on va appeler Black et on va lui demander un titre. Il va écrire le titre qui s'appelle donc Wave et qui était un titre R&B typique de son époque. N'importe quelle chanteuse R&B aurait pu le sortir. Elle se dit je vais jouer sur le visuel, essayer de montrer encore une fois comment je suis une bonne danseuse, comment j'ai vraiment ce petit truc. Et là on va voir le petit rapprochement sur certaines prestations live avec Beyoncé. Ça crispe un peu, mais l'échec s'explique pour de nombreuses raisons. La première étant principalement que ce n'est pas une chanteuse qui vient d'un groupe de R&B. Elle vient d'un groupe pop et donc elle n'a pas un public R&B de ouf. Et le truc, c'est que la chanson en elle-même n'était pas un titre de ouf. Il est sympathique, le clip est bien réalisé. Elle fait plus ou moins notamment une belle prestation live, mais il n'y a pas de révolution du game. Et heureusement pour elle, l'engouement va être poussé par Sam Smith qui, après le flop de cette chanson, va l'inviter sur un titre un peu plus pop, Dancing with a Stranger, qui lui va avoir beaucoup plus de succès au Hot 100 américain et redorer son blason en tant que hit girl du moment. Mais là, normalement, vous êtes mes fidèles compagnons et vous êtes normalement brillants. C'est-à-dire que vous avez vu la chaîne et revu la chaîne. Donc, vous commencez à comprendre la problématique du label qui coule à ce moment précis. Ils ont signé Normani, qui est une jeune femme noire, qui dit adorer le R&B des années 90, qui danse plutôt bien. Ils testent avec un single R&B.
Il voit deux titres qui sont plus pop, plus R&B, avec des artistes qui sont déjà connus, ça prend. Ils se disent comment on va faire la transition pour elle. Et là, ils ont quand même une chance, à savoir une pop star qui est déjà bien installée dans le game, Ariana Grande, la prend en première partie de sa tournée Sweetener. C'est d'autant plus cool pour Normani que Sweetener, c'est l'album un peu plus R&B d'Ariana Grande. Donc, elle va avoir les fans d'Ariana Grande devant elle, qui sont des fans de pop. Et elle va pouvoir leur proposer son petit medley. Elle reprend du Alia sur scène. Ariana l'adore, elle la soutient et bien sûr, l'équipe de Normani voit une entrée. Il y a même un but à marquer. Le premier but qu'ils vont marquer, c'est qu'ils vont lui faire avoir une fameuse queue de cheval. Vous savez que l'une des marques de fabrique, et si vous ne le saviez pas, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. La queue de cheval d'Ariana Grande est presque aussi importante pour elle dans sa logique pop que le gant pour Michael Jackson. C'est-à-dire que c'est devenu un des signes qui la définit. Et bizarrement, dans la même période, Normani va adopter parfois ce petit style d'avoir la queue de cheval comme Ariana Grande et comme les fans d'Ariana Grande la connaissent. Et pour le single qu'elle va sortir qui s'appelle Motivation, ils vont se dire on va essayer un son un peu plus pop avec des influences R&B, un peu comme au début des années 2000. C'est plutôt bien pensé dans l'idée, c'est-à-dire qu'on se dit vu que c'est un peu difficile de l'envoyer directement en R&B, elle vient d'un groupe pop, on va essayer de faire un mélange et en plus on va faire un clip qui rappelle toute une époque. Mais c'est qui a été pensé, mais ce n'est pas que ça. Motivation a été pensée de façon encore plus vicieuse, c'est-à-dire que non seulement quand vous écoutez la chanson, si vous connaissez bien Ariana Grande, le phrasé est celui d'Ariana Grande, mais en fait ils ont laissé la voix d'Ariana Grande en background. Si vous ne faites pas attention, vous avez l'impression à certains moments de la chanson d'écouter Ariana Grande parce que vous l'écoutez, elle est en background et souvent la voix de Normani est beaucoup plus basse en fait et ça n'a pas été fait de façon innocente. Ils ont fait ça parce qu'ils se sont dit, vu qu'elle est face aux fans d'Ariana Grande, vu qu'elle est face à cette audience-là, passons par Ariana Grande pour pouvoir lui faire avoir un tube, un titre qui ressemble à Ariana Grande, qui a été coécrit par Ariana Grande avec ses propres producteurs, sur lequel Normani chante avec la voix d'Ariana Grande qui fait ses backgrounds. Et ce devrait être plus facile avec un visuel plus ou moins travaillé de la faire cartonner. Mais il ne va pas y avoir de miracle pour Normani. À savoir que beaucoup de gens vont regarder le clip. Parce que le clip a des airs de Christina Milian, de Jennifer Lopez, de Beyoncé, encore une fois bien appuyé. Et d'ailleurs, dans cette ère-là, même dans la pochette, on retrouve du Beyoncé pour se dire que les gars qui me comparent à Beyoncé, là, regardez, il y a des petits trucs. Vous voyez que oui, si je fais comme ça, je ressemble à Beyoncé. Non, si je me tourne comme ça, Oui, il y avait plein de petits trucs pour nous refaire penser à la Beyoncé de Dangerously in Love. Pour pouvoir faire des clins d'œil à cette audience-là en gardant toutefois un côté teenage. Pourquoi il y avait le côté teenage? C'était parce qu'elle venait d'un groupe pop et qu'il y avait aussi le public d'Ariana Grande qui avait coécrit ce titre et sur lequel l'une des grosses parties de la communication était misée. Mais au final, dans tout ça, le problème qui se posait pour moi était qu'on ne voyait pas qui était cette fille en fait. Beaucoup disaient oui, ça ne marche pas parce que c'est une fille noire, mais en réalité, on n'arrivait même pas à voir la personnalité de cette fille noire au milieu de toutes ces influences-là réunies pour pouvoir la pousser. On avait l'impression qu'elle allait réunir quelqu'un avec plein de costumes en poussant pour qu'on y adhère en nous disant oui, c'est la nouvelle fille noire de la pop. Sauf que fatalement, il y avait quand même une déconnexion. Le public l'a senti. Il y a eu un plutôt bon démarrage dans les charts, mais elle s'est tout de suite effondrée et RCA. Le label, vous savez que RCA compte ses fonds. Donc dès que ça s'est effondré, vu qu'il y avait du budget, parce que depuis le départ, on voit qu'il y a du budget chez elle. C'est-à-dire que le clip de Wave, on voit du budget. Le clip de Motivation, on voit du budget. Donc il y a une sorte de frustration, une sorte de freeze. Et pendant un moment, tout semblait s'être arrêté. Alors maintenant, pendant longtemps, j'ai été assez sceptique au regard de toutes les influences et de toutes les comparaisons qu'on faisait avec Normani. C'est-à-dire que moi, et je vais vous dire ce que j'ai dit dans des dizaines de lives et qui m'a valu parfois des injures, des poursuites, je n'ai jamais vu ni Beyoncé, ni Janet Jackson, ni Aaliyah chez Normani. La personne à laquelle Normani m'a toujours fait penser dans tout ce qu'ils ont fait au début et jusqu'à ce moment précis, est-ce qu'il y a une personne à laquelle elle vous fait penser vous? Et moi, dans toutes les années que j'ai vues aux États-Unis, j'ai jamais vu le nom cité. Et je me suis dit à un moment, bon, c'est normal qu'aux États-Unis, on ne la cite pas. Et même en Angleterre, j'ai jamais vu cette personne être citée. Et pourtant, pour moi, c'est la personne sur laquelle la ligne est la plus évidente. Si on veut vraiment pousser la comparaison, c'est elle. Oui, je sais que là, certains vont tomber. Je sais ce que vous dites. Non, c'est pas possible. Si. En fait, Normani, depuis le départ, depuis tout ce lancement, moi, m'a toujours et toujours fait penser au même lancement
de Melanie B. Pourquoi? Les deux viennent d'un groupe pop. Les Spice Girls, c'est un groupe pop. Fifth Harmony, quoi qu'on en dise, même si elles ont eu des influences un peu plus urbaines, c'était principalement de la pop, c'est pas un groupe de R&B. Et comme ce sont les deux noirs de ce genre de groupe pop, et qu'elles n'étaient pas principalement là pour chanter, mais surtout pour avoir une certaine image, bien sûr, quand le groupe se termine, on essaie de les marketer très souvent sur le marché américain en se disant « il faut qu'on touche les Afro-Américains ». C'est exactement ce qui s'était produit pour Melanie B. Et pour ceux qui veulent des preuves et qui n'ont peut-être pas vécu cette période, moi je m'en souviens, Melanie B était produite par exactement tous les gros producteurs de l'époque. Et son mimétisme c'était Janet Jackson parce que c'était la plus grosse pop star noire de l'époque et qui n'avait pas encore Beyoncé en fait. Quand vous voyez certaines prestations de Melanie B à l'époque, ça c'était I Get So Lonely de Janet, mais les producteurs de l'album, si vous écoutez par exemple Hotter, ça va vous rappeler du Aaliyah Brandy. Et plusieurs des titres de l'album étaient produits par Jimmy Jam et Terry Lewis, et là vous entendiez totalement que ça venait de Janet Jackson, parce que c'était la pop star qui marchait le mieux à l'époque, et ça n'a jamais pris. Pour moi, elles ont plus ou moins trois différences. À savoir que Melanie B, malgré le fait que ce n'était pas du tout une chanteuse vraiment appuyée, parce que les Spice Girls, en réalité, vocalement, c'est un duo. C'est Emma Button et Melanie C. C'est-à-dire que ce sont les deux qui font l'essence même vocale du groupe. Les autres, ce sont les à côté. Et donc, Melanie B, même si elle n'avait pas ça, était quand même plus visible que Norman ne l'était chez les Fifth Harmony. Donc, elle avait ça pour elle, plus de visibilité. Le second point, c'est que vocalement, elles sont plus ou moins extrêmement moyennes toutes les deux. Mais le point ira peut-être à Normani. Pourquoi? Parce que Melanie B n'a vraiment aucune soul dans la voix. C'est-à-dire qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Le petit côté voix black là. Elle a le timbre, mais elle n'a pas du tout de soul dans la voix. Ce qui va être justement le point faible de son projet à elle aux États-Unis, même s'il y avait tout le capital sympathie. Et le troisième point, c'est qu'effectivement, en termes de danse, Normani l'a détruit. Mais sur le format, quand moi je l'ai regardé à ce moment-là, je trouvais que c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est la noire qu'on avait mis dans un groupe pop comme argument marketing, parce qu'effectivement on ne les laissait pas s'exprimer artistiquement, et Normani elle-même le dit, elles n'avaient aucune parole. Never stop to think, okay, what would my sound sound like? Like that is tough, especially coming out of a girl group that you've been in for so many years and being told. Et maintenant que le groupe s'est terminé, comme il y a eu beaucoup d'exposition malgré tout parce que c'était un groupe pop, on essaie de la rebrander en tant que nouvelle, entre parenthèses, opposée de tout ce qu'elle est. À savoir que Beyoncé vient d'un groupe de R&B, quoi qu'on puisse dire, même si les Destiny's Child se sont popisés. Leur dernier album, malgré tout, reste principalement un album de R&B. Et d'ailleurs, il n'y a aucune comparaison à faire parce que Beyoncé était la leader d'un groupe fait pour elle. Normani n'était que le cinquième couteau d'un groupe dont elle n'était pas la priorité. Et de l'autre côté, Aaliyah comme Janet Jackson sont des personnes qui ont construit leur popularité chez le public afro-américain avant d'aller ailleurs en fait. Donc hormis ses capacités de danse que je trouvais mignonne et que je différencie toujours des capacités de performeuse, parce que selon moi, plusieurs fois elle avait l'air de faire de l'aérobic sur scène et pas vraiment de performer, parce qu'on peut savoir danser et pas être un grand performeur, manquer un peu de charisme. C'est pour ça que Michael Jackson a des danseurs. C'est-à-dire qu'il y a forcément des danseurs de Michael Jackson qui dansent mieux que Michael Jackson, on est d'accord. Donc tu peux très bien danser et ne pas être un excellent performeur. Et souvent avec elle, j'avais l'impression que même si elle danse bien, il y a ce petit côté où on manque un peu de charisme. C'est là que moi j'ai commencé à entrevoir ce que je voyais comme étant le petit piège de sa carrière. C'est-à-dire que effectivement, elle arrive avec une sorte de créneau qui semble totalement ouvert parce qu'elle vient d'un groupe pop. Les médias pop l'ont un peu porté et ils ont directement fait cette comparaison avec Beyoncé. Et elle aussi s'est engouffrée dedans en disant « Regardez, je ressemble un peu à Beyoncé quand je mords la lèvre. Parfois, je ressemble à Aaliyah quand je lève le pied. » Bref, elle s'est engouffrée dans cette espèce de mimétisme parce que les médias mainstream la comparaient à ce genre de personnes. Sauf qu'en réalité, sur la base structurelle, ce genre de personnes n'ont pas du tout le même genre de carrière qu'elle, et qu'en réalité, elle, tout ce qu'elle a n'est basé que sur une sorte de hype qui ne représente pas la réalité du marché. Et quand elle va revenir avec Megan Thee Stallion sur le morceau Diamonds en 2020, on va revoir que son public n'est pas non plus ouf. Pour ce clip, il s'est produit à peu près le même phénomène.
Elle sortait déjà d'un trio avec Nicki Minaj et Ariana Grande. Là, elle est en featuring avec Megan Thee Stallion. Il y a le visuel. En plus, elle venait plus ou moins d'être adoubée par Jared qui a dit « Oui, viens me rendre hommage. » Beyoncé lui a dit « Je suis fier d'elle. » Et dans tout ça, il y avait la mouvance où il faut la soutenir parce que c'est la fille dark skin du game. Il n'y en a pas beaucoup dans la pop, donc il faut absolument que Norman y fonctionne. Et donc, finalement, il y a le même phénomène. Tout le monde doit voir le clip et quand ils écoutent la musique, ils se disent « Ah merde. » Le titre a donc floppé et quelques mois plus tard, le fameux « Ah merde » s'est transformé en « Oh mon Dieu ». Quand elle a dû faire une prestation pour un prix chaud de la NBA et que cette fois, bizarrement, elle n'avait pas de pré-enregistré. Elle a donc dû chanter et sa justesse avait des airs de Cassie. En vrai, dans cet extrait, on ne peut pas dire qu'elle était fausse. Elle était effectivement juste selon les notes musicales établies par Cassie, à savoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Cassie. Voilà. Et ça a choqué beaucoup de fans, c'est-à-dire que beaucoup ont eu la douche froide, beaucoup ont compris qu'elle n'avait pas ce truc hyper invincible, et donc de fait, son équipe s'est dit, il faut absolument qu'on supprime tout sur la toile, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont quasiment tout supprimé les extraits, ils ont essayé de se racheter, mais le mal était fait. La plupart du temps, elle chantait en préenregistré. Là, elle a prouvé une énième fois que vocalement, elle n'était pas ouf, mais elle a commencé à se concentrer sur son album. Quand Brandy, quelques mois plus tard, est revenue, elle a dit que Brandy serait plus ou moins appelée comme productrice vocale de son album, et on a tout de suite compris, en fait. C'était cette lacune au niveau du public R&B qui ne la prenait pas au sérieux vocalement qu'elle voulait combler en se disant que en faisant appel à quelqu'un qui est plus ou moins respecté sur ce schéma là, je suis sûr d'avoir une sorte de tampon et tout ce qui restait désormais c'était la musique. On a attendu la musique longtemps, ses fans ont attendu, ils se sont impatientés et ce qui s'est passé c'est que beaucoup d'entre eux ont attaqué et rendu responsable le label Keep Cool qui est donc une sous-structure de RCA. Mais en réalité Keep Cool est un label très R&B qui gère plus ou moins bien ses artistes. Mais quand on voit leur roster avec des gens comme Lucky Day ou encore Van Jess qui font de la très bonne musique, on voit que c'est un label qui est principalement construit sur une niche. Norman est sans aucun doute dans ce label là l'artiste la plus mainstream. Et ça veut dire que même s'ils l'ont signé sous certaines conditions, elle doit pas avoir des budgets extraordinaires. Et quand on voit l'investissement qui est mis sur elle au niveau des budgets, ça veut dire que eux vit de leur caisse sur Norman et que certains investissements qui pourraient paraître normal pour Columbia Records chez une Beyoncé qui est déjà établie et qui de toute façon va rentabiliser sont beaucoup plus durs à vivre pour eux. Dans cette période-là, il semble y avoir des frictions sur le label, notamment parce que Norman y a eu des propositions de duo sur des titres beaucoup plus pop et qu'ils ont refusé afin de lui construire une identité musicale. Identité musicale qui semble avoir pris du temps à être construite, mais donc cette semaine, après quasiment plus de 2 ans sans musique, elle a livré le fameux Wild Side. Et là, il y a 3 points qui sont plus ou moins essentiels. Le premier, c'est qu'on la remarquait en R&B, en se disant, c'est une femme noire dans l'industrie. Pour qu'elle s'impose, il faut absolument qu'elle ait au moins un peu le soutien de ce public-là avant d'aller sur le public pop. Ça va être difficile de passer dans le sens inverse. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez vu des dizaines de vidéos vous expliquant ceci. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'ils ne l'ont pas faite de manière totalement idiote. À la base, le titre était un titre solo de Normani et c'est à la dernière minute qu'ils vont appeler leur argument massue pop, à savoir Cardi B. Le titre était déjà en train d'être clippé quand on a finalement appelé Cardi B pour qu'elle les rejoigne. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour certains, son apport n'est pas huileux dans la chanson. On peut se dire que le titre aurait pu se faire sans elle. Et c'est vrai, c'est à la dernière minute que Cardi B intervient. Et d'ailleurs, Cardi B elle-même ne comprend pas l'autre argument pop que l'équipe le souffle. C'est-à-dire que quand on lui envoie la chanson, on lui dit il faut que tu sois sexuel, raconte-nous comment tu as eu ton enfant. Là, tu adores faire ça, raconte-nous. Mais elle-même se dit c'est Normani, je ne peux pas être très explicite. Elle a un public plus jeune, comme sur Motivation. Et donc elle envoie un premier couplet et l'équipe lui demande de re-enregistrer en lui disant non, on veut vraiment savoir comment ça se passe pour que tu aies tes enfants là. Et c'est exactement ce qu'elle va livrer, ce qui est donc l'autre argument pop de la chanson, à savoir que c'est très sexuellement explicite. Le premier but était donc d'avoir un titre R&B, le second est d'avoir Cardi B, argument pop massue. De l'autre côté, un texte et un visuel très sexy. Pourquoi? Parce que ça attire. Et le troisième, c'était bien sûr le fameux lien et toutes les références aux clips des années 90, aux chanteuses des années 90, notamment à Janet ou encore à Aaliyah, qu'elle sample non seulement sur le titre One in a Million, mais à laquelle elle rend aussi hommage sur une partie de la chorégraphie.
Maintenant que vous m'avez écouté dans toutes ces vidéos, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le lancement de Motivation. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un assemblage chez elle. On prend chez elle, on prend chez l'autre, on prend chez l'autre, on prend chez l'autre. Et on se dit, on pousse au maximum avec un visuel parce qu'elle sait danser. Et on va espérer que ça prenne. Parce que la manière dont Normani pose est exactement comme Justin Sky ou alors comme Kian LED qui aurait pu sortir exactement la même chanson. Tout ce qui est autour est hyper référencé chez d'autres personnes et s'appuie beaucoup chez d'autres personnes. Ce qu'elle a, elle, c'est un capital sympathie. Elle était mal aimée chez Fifth Harmony. Elle recevait beaucoup d'insultes racistes. Elle n'était pas mise en avant aussi parce que c'est une femme noire. Donc les gens ont une sympathie pour elle. Mais de l'autre côté, ce qu'elle propose est très très souvent hyper référencé et volontairement hyper référencé pour qu'on se dise ça ressemble à ça, donc du coup on a une sympathie et qu'on soit beaucoup plus doux avec elle. Les seules vraies différences avec Motivation, c'est que dans Motivation, comme c'est Ariana Grande qui est l'objectif et qui prend le lead, bah en fait c'est plus pop dans l'idée. Et si c'est plus urbain, plus sexuel, et on a déjà cette volonté de dire que bah en fait Motivation c'était trop cheesy, c'était pas vraiment moi, là c'est la vraie moi, exactement comme les Christina Milian. Parce qu'en réalité un titre comme Motivation aurait très bien pu être dans le premier album de Christina Milian, et dans le second It's About Time, on aurait très bien pu avoir un titre comme Wild Side, en fait, y compris au niveau du visuel. Et c'est exactement ce qu'elle fait, et c'est exactement ce qu'elle a défendu cette semaine, parce que depuis son retour, elle n'aime plus beaucoup Motivation, elle trouve qu'on l'a poussé à sortir ça trop vite, et que là, cette retransition R&B, parce que vous vous rappelez qu'elle a déjà fait Wave, bah, ce retour, c'est la vraie elle. You know, I feel like for so long, I will admit, put out records that I didn't like wholeheartedly. Did you have problems with Motivation after it was put out into the world? Like what? I didn't want to release it. Why? At all. Moi, je vais choquer beaucoup de gens, mais en fait, elle a fini par me faire un peu de peine, notamment dans les différentes interviews qu'elle a faites cette semaine, parce qu'effectivement, elle commence aussi à croire à la hype. En fait, elle dit que comme on me compare tout le temps à Alia, c'est normal que je lui rende des petits hommages. Et en fait, je comprends très très bien son problème et je pense qu'elle est victime de tout ce qu'il y a autour d'elle-même, parce qu'en réalité Normani n'est rien d'autre qu'une artiste en développement, c'est-à-dire qu'elle doit être développée, elle doit trouver son son, son image, et que là elle n'est pas encore tout à fait sûre de là où elle doit aller, de comment elle doit aller. Et c'est le même problème qui s'oppose aux gars du label, qui sont un label principalement R&B, qui s'était dit, certainement en la prenant, qu'ils vont la mettre dans un créneau plus R&B et qu'ils vont monter avec elle. Il se trouve que finalement ça s'est inversé, c'est-à-dire que le mainstream ne fait que leur dire que vous avez la nouvelle Beyoncé, vous avez la nouvelle Rihanna. Et eux-mêmes sont un peu perdus parce que ce n'est pas le même schéma. La plupart des artistes auxquels Normani est comparé sur la structure musicale et le marketing vont du bas vers le haut. Elle, elle doit faire l'inverse. Elle doit aller du haut vers le bas afin de remonter. Et certes, c'est une très bonne danseuse, mais pour moi, ce n'est pas une exceptionnelle performeuse. Et de l'autre côté, ce n'est pas une bonne vocaliste. Donc la tâche s'annonce un peu ardue. C'est pour ça que pour séduire les fans de R&B, ils ont pris ce sample d'Alia, qui en fait n'est même pas un vrai sample officiel. C'est-à-dire qu'ils ont repris tous les éléments de la production sans les éléments de Timbaland pour refaire le beat et ne pas payer l'oncle d'Alia, qui n'est d'ailleurs pas très content. Et certains fans ont d'ailleurs maintenant peur que la chanson soit bloquée par lui. Parce que s'il veut bloquer la chanson un peu comme la famille de Marvin Gaye, on entend clairement que c'est un sample de Timbaland. Et d'ailleurs, elle-même dit que la chanson a été établie sur le titre One in a Million, en fait. Donc s'il veut partager les droits ou la bloquer, il peut très facilement le faire. Mais ils se sont servis de ce sample-là. Ils ont établi leur titre. Et je ne suis pas contre le sampling, mais là, on n'est pas vraiment dans le sampling. On est dans ce qui se passe de plus en plus dans cette ère. C'est-à-dire qu'on veut vraiment reprendre tous les éléments d'une chanson qui a marché. On les remet en 2021 en modernisant un peu, en se disant que beaucoup de gens connaissent déjà la chanson et d'autres vont ressentir le même feeling que la première version, donc on passe entre les mailles du filet. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Cardi B lui fait une promo de dingue, donc de fait, il y aura très certainement une bonne première semaine. Mais le plus dur, ce sera certainement sur la suite. Et c'est pour ça qu'elle me fait de la peine, parce qu'en réalité, il y a une mauvaise vision de sa propre carrière. Et je pense qu'elle commence à comprendre que toutes ces comparaisons, toutes ces manières de la mettre avec telle ou telle, la desservent. C'est-à-dire que si, par exemple, Normani entre tout de suite là, au Billboard à la 20e place ou à la 15e place, c'est plutôt pas mal. C'est même très bien pour une artiste comme elle, en fait. Sauf que si elle chute comme beaucoup d'artistes R&B en seconde semaine, beaucoup vont se dire ah, Normani est en train de flopper, parce qu'ils vont la comparer logiquement à toutes les autres grosses pop stars. Or, ce n'est pas le même marché et c'est aussi le même problème qu'elle risque d'avoir avec le label, parce que le label risque d'être frustré par les chiffres parce qu'ils investissent sur elle, certes pour avoir ce public 13 R&B, mais en se disant vu qu'on colmate pas mal de choses, on met pas mal d'éléments un peu pop par-ci, vu qu'on a payé Cardi B très certainement très cher, bah il faut quand même que ça nous
rapporte en fait. Et elle est entre les deux eaux. Et finalement, si elle fait des scores qui sont pas trop mal, c'est-à-dire que, imaginons que Wildside soit disque d'or ou disque de platine, ce qui serait plutôt bien pour une SZA ou alors une Kiana Ledes. Dans les faits, ce serait pas mal qu'elle fasse ça. Bah en fait, ça risque d'être mauvais pour les gens qui la regardent en se disant que c'est la future Beyoncé, et ça risque aussi d'être mauvais pour son label qui investit sur elle des sommes astronomiques, alors que d'autres chanteuses R&B comme SZA ou Jhené Aiko, avec des investissements moins nombreux pour les clips et la promo, bah font beaucoup mieux en fait. Depuis le tournage de la vidéo, elle a confirmé une partie des choses que j'avais pressenties, à savoir que le clip a coûté super cher, $1 million, et qu'elle a elle-même dû avancer une partie des frais. Certains fans sont choqués, déçus par le label, mais en réalité, il faut pas l'être. Rihanna, Beyoncé, Katy Perry ont rarement des clips qui coûtent $1 million. C'était dans les années 90 ou alors dans les années 80 que les clips coûtaient super cher. Depuis la crise du disque, les clips coûtent de moins en moins cher. L'un des clips les plus chers de l'histoire, le 10e, c'est un clip de Céline Dion qui a coûté $2 million. C'est pour vous montrer que $1 million sur un clip de Normani en 2021, c'est super cool, mais c'est cher. Et surtout, derrière, ça peut renforcer cette tension entre investissement et rendement qui peut y avoir chez elle. Et c'est un peu le piège dans lequel elle est, même si je pense que effectivement à leur place, je continuerai à la marketer au maximum sur le schéma urbain avant de se dire qu'il faut faire une transition. Tout simplement parce que si elle ne fait pas ça, elle risque de se retrouver dans la même situation que Kelly Rowland, à savoir qu'elle pourra avoir des collaborations qui marchent, elle pourra même avoir parfois des hit pop qui vont marcher par-ci par-là, mais elle n'aura jamais de socle solide et finalement elle va se faire oublier en fait. I feel like sometimes people forget that I'm also a new artist. Yes, I'm seasoned. But in a way, I'm a new artist. Dans son cas, elle, je serais allée beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si j'ai un tel budget pour investir dans les clips et toute la promo qu'elle fait à chaque fois, les émissions radio et toutes les émissions télé, si j'ai ce budget-là pour Normani, bah en fait, je prends un producteur que personne ne connaît. C'est-à-dire que je prends le risque de me dire que je vais aller chercher un producteur qui est talentueux, qui a un son différent des autres. J'impose mon propre son, je reprends effectivement pas mal de références en termes de visuel pour attirer une autre audience. Mais au niveau du son, même si beaucoup de gens rejettent d'un coup, un peu comme Ali avec Timbaland sur One Million en 96, ce n'est pas un gros tube mainstream, même si beaucoup de gens rejettent sur le coup, bah en fait je peux me créer une forte fanbase qui va se dire bah au moins elle prend des risques au niveau du son. Et c'est peut-être ce qui leur manque à beaucoup en ce moment. Elles chantent quasiment toutes pareilles, elles se différencient sur très peu de choses, elles ont exactement la même référence, parce qu'en réalité ce qui différencie Normani de Tiana Taylor, c'est le budget. C'est juste que en ce moment Normani a un plus gros budget que Tiana Taylor, mais quand regardez Wildside, Tiana Taylor peut vous pondre exactement la même chanson et peut danser exactement pareil qu'elle dans le clip. Je trouve ça hyper dommage qu'on ait perdu l'envie de prendre un peu de risque, d'aller chercher des producteurs comme Kelly's, comme les Brandy, qui ne voulaient pas travailler avec les mêmes producteurs que les autres en fait. À chaque fois, elles se battaient en disant c'est le producteur de tel, c'est le producteur de tel, je veux mon propre producteur pour avoir mon propre son. Et ça, dans le cas de Normani, même si c'est sur un ou deux singles, je pense qu'ils auraient dû essayer en se disant que même si ça floppe, ça va pas flopper de la même façon en fait. Parce que quand Wildside va flopper, ou alors Motivation, il y a des dizaines de personnes qui peuvent faire des Motivation dans l'industrie en fait. C'est pas un titre hyper marquant. Alors qu'il y a des titres qui peuvent avoir un impact sur la culture, qui peuvent avoir des sonorités différentes. Et là on se dit, même si ça ne prend pas tout de suite, elle innove, elle va vers d'autres choses. Là, Normani, elle a encore la hype, elle réunit beaucoup de codes dans le game. Mais malheureusement, elle se cherche clairement. Et le fait qu'il y ait toute cette pression autour d'elle, le fait que des gens la voient déjà comme une Janet ou une Beyoncé, alors qu'en réalité, elle n'est que Normani. Et même si elle fait carrière, même si elle a beaucoup de tubes, elle fera des tubes sur la base de Normani et pas sur celle de Janet, parce qu'elle ne pourra jamais être Beyoncé, Janet ou encore moins Alia. Parce que malgré tout, encore une fois, Alia à 16 ans prenait le risque de dire que je ne veux pas travailler avec telle parce qu'il a déjà travaillé avec telle en fait. Regardez la carrière d'Alia. Et ce n'est pas son oncle Barry Anderson qui lui disait. Au contraire, il se battait avec elle pour qu'elle aille vers les autres producteurs, et elle voulait aller vers des gens qui étaient moins connus pour avoir un autre son. Donc en fait, elle n'aura jamais la même carrière. Cette fille doit se construire par elle-même. J'espère qu'ils vont essayer d'avoir une ligne directrice et se dire qu'après Wildside, ils vont dans des singles un peu cohérents. Parce que si après Wildside, ils n'ont pas les chiffres qu'ils attendent et qu'ils prennent encore 6-7 mois, finalement, elle risque de se faire sérieusement concurrencer par deux autres qui sont aux abois, à savoir Chloé Bailey de Chloé Ali, qui est d'ailleurs elle-même mentorée par l'équipe de Beyoncé parce que c'est sa poulaine. Elle s'apprête à venir sur le même créneau, et d'ailleurs le jour où le clip de Normani est sorti, elle et sa sœur ont fait un live, et sa sœur disait dans le live: y'all do not know what is about to hit you.
What is about to come? On arrive avec du lourd. Ce n'était pas innocent qu'elle fasse le live le même jour. Et ce même jour-là, Camila Cabello, c'est-à-dire que la pop star de Fifth Harmony, s'est dit, bah tu reviens, j'annonce que je reviens une semaine après. C'est-à-dire qu'elle vient de balancer son nouveau single. Et ça c'est quoi? C'est quand on te claque la porte au nez. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, les fans de pop là, il faut pas que cette fille ait trop le temps de faire la promo pour imposer son single. Moi je sors le mien qui sera un titre pop beaucoup plus facile pour eux, beaucoup plus estival. Je les maintiens là avec moi les petits de Fifth Harmony et l'autre elle va se débrouiller. Elle veut clairement visser la scène pop à Normanie et c'est en ça que le positionnement de cette fille est assez compliqué pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influence, il y a beaucoup de hype, c'est une bonne danseuse, mais il manque encore profondément une personnalité, une vision et une direction artistique. Et tous les gens qui la comparent à Beyoncé, à Janet Jackson et à Aaliyah lui font plus de mal que de bien parce qu'encore une fois, même si je ne lui prédis pas exactement le même destin que Melanie B, parce que derrière Mel B, il n'y avait pas cette emphase des réseaux sociaux, mais il faut quand même vous rappeler que le premier single de Melanie B, c'est Missy Elliott qui écrivait pour Aaliyah juste avant. Et ça m'a d'ailleurs gêné de voir qu'après avoir joué à fond sur le Beyoncé, après avoir joué à fond sur le Ariana Grande, ils essaient de mélanger ce truc très Aaliyah, très old school. Parce qu'ils sont allés jusqu'à en faire une égérie de Tommy Hilfiger, exactement comme Aaliyah en fait. C'est-à-dire qu'actuellement, Normani est l'égérie de Tommy Hilfiger, exactement comme Aaliyah au même moment de sa carrière. Mais en plus derrière, elle a ce petit côté sexe. Elle dit que c'est sa vraie personnalité, mais je ne serais pas surpris que si ça ne marche pas, après ce feat avec Cardi B, elle nous dise encore que ce n'était pas totalement elle comme avec Motivation en fait. Bref, nous arrivons à la fin de cette analyse. C'était une des vidéos les plus demandées de cette chaîne. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez me donner vos avis en masse sur ce que vous pensez de Normani. Est-ce que pour vous c'est un futur carton? Est-ce que pour vous vraiment il n'y a plus rien à faire pour elle? Et vraiment c'est une espèce de ressuscité, un énième ressuscité des années 2000. Est-ce que pour vous par exemple elle peut faire le poids sur la scène R&B avec les autres chanteuses R&B si on la met vraiment sur ce créneau là face à les Tiana Taylor? Ou alors face à des SZA, qu'est-ce que vous lui précisez comme destin? Pour moi, clairement, ce n'est ni la nouvelle Beyoncé, ni la nouvelle Janet Jackson, ni la nouvelle Aaliyah. Et le mieux qu'elle puisse être, c'est déjà être Normani. Et je pense que ça, déjà, c'est difficile pour elle. Donc je l'ai laissé essayer d'être elle-même et de prendre le temps d'être elle-même, en fait. Sinon, très certainement, elle va se brûler les ailes. J'attendrai d'écouter l'album et de peut-être vous faire une analyse sur l'évolution à ce moment-là, parce qu'apparemment, il aura 14 titres et qu'elle a été très précise. Elle est une artiste visuelle. Elle nous promet de la bombe. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous lui prédisez un gros destin, si pour vous, c'est l'avenir, ou alors si pour vous c'est le passé dépassé. Et dans l'affaire du sample d'Aaliyah, est-ce que vous pensez qu'elle copie trop et que l'oncle devrait lui porter plainte? Ou alors vous pourrez vous dire que bon, c'est une petite, elle s'inspire et on laisse passer. Comment auriez-vous réagi à la place de l'oncle? N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.